Cela fait plusieurs années que Nagui est à la tête de l'émission N'oubliez pas les paroles, diffusée sur France 2 au quotidien. Dans celle-ci, les candidats enchaînent dans le but d'obtenir le micro d'argent et de remporter une grosse somme d'argent. Pour cela, ils doivent chanter et retrouver les mots manquants de la chanson qu'ils ont choisie. Certains ont parfois beaucoup de mal et d'autres peuvent compter sur l'aide de Fabien Aimovici. Le musicien est un habitué des erreurs, qui amuse beaucoup l'animateur. Ce mardi 10 octobre, Nathalie a tenté de conserver son micro d'argent. Face à Samia, la candidate a choisi la chanson Fan de Pascal Obispo. Des paroles retrouvées puis confirmées par Fabien Aimovici. Si est-ce d'être fan, sans répit jour et nuit. Si est-ce ce que vous avez dit Nathalie, a commencé Nagui. Ce à quoi la principale concernée a répondu, oui. Et Fabien aussi. Après, je l'avais déjà dit. De son côté, Fabien Aimovici a fait preuve de beaucoup d'humour, affirmant simplement, « Je n'aurais pas aimé être votre voisin pendant la guerre. » Sur le plateau de l'émission, Fabien Aimovici a l'habitude de se laisser emporter par les paroles, sans réaliser qu'il les donne aux candidats ES. Mais que s'est-il passé ce mardi 10 octobre? Alors que Nathalie avait donné les paroles, Samia l'a rejointe et toutes deux ont continué la chanson, pour le plus grand bonheur des musiciens qui ont suivi. Toutefois, le couplet chanté par la maestro revenait quelques phrases plus loin et Fabien Aimovici a donc donné les bonnes paroles, sans réfléchir. Je voulais juste être honnête, c'est amusé Nathalie. Avant d'être à nouveau taclé par Fabien Aimovici. Si est-ce ce qu'il disait aussi en 1939, a-t-il rétorqué, déçu d'avoir été pris en flagrant délit. Une séquence qui a beaucoup amusé Nagui et qui a ainsi permis à Nathalie de bloquer les paroles et remporter des points supplémentaires. Vous l'aviez chanté avant, a rappelé l'animateur. Ce à quoi Fabien Aimovici a répondu, tentant de se défendre, sinon je ne l'aurais pas chanté. Fabien Aimovici, un musicien qui enchaîne les gaffes. Fabien Aimovici est un habitué des faux pas dans l'émission de Nagui. Lorsque les candidats ES continuent de chanter, ce dernier les aide, en dévoilant parfois les bonnes paroles. Le 5 octobre dernier, si est-ce Margot qui s'est lancé sur le titre évidemment d'Orelsan et Angèle. Au cours de sa prestation, la jeune femme a été aidée par Fabien Aimovici puisque ce dernier a prononcé les premiers mots des paroles de la chanson à trouver. Ça va Fabien? A immédiatement demandé Nagui. Le mec chante trois mots dans la chanson et la réponse, elle est là-dessus, c'est amusé le principal concerné, très surpris de son erreur. De quoi amuser l'animateur? Si est-ce pas de bol? Tu n'as pas donné la réponse mais bon. A-t-il conclu. Des séquences que les téléspectateurs sont ravis de voir au quotidien. I just need